Parisiens, si vous voulez jouer une finale, allez jouer à Final Fantasy. C'est la seule finale que vous allez jouer. Vous étiez nul, puissance nulle, exposant nul, fois racine carrée de nul. Voilà. J'ai jamais vu une équipe aussi nulle en Ligue des Champions. Vous n'avez pas votre place dans cette compétition, c'est la vérité. Il faut parler football, les amis. Les Parisiens qui n'ont aucun regret. Vous avez été nuls. Oh là, vous devez jouer avec une boussole sur le terrain. Vous êtes perdus. Vous devez jouer avec un GPS, avec une carte. Oh là, paumé. Au PSG, ils ont Biker. À Manchester City, ils ont Walker, les gars. C'est une différence de niveau. Walker. Oh là, que la communication, elle passe bien avec lui. C'est un talkie-walkie, c'est un talkie-walker, les gars. Oh là, et Riyad Mahrez. C'est rigolade Mahrez. Oh là, c'était un rat de Mahrez ce soir. C'est pas possible. Il vous a mis 3 buts en 2 matchs. 3 buts. 1, 2, 3. Viva Manchester City! 1, 2, 3! Viva Manchester City! Oula! Ça vous apprendra, les Parisiens, à aller chercher des joueurs à l'autre bout du monde, à aller sucer les Brésiliens, ça vous apprendra! Alors que les vrais génies, ils sont dans les banlieues parisiennes. Oula! Riyad Mahrez, toute son adolescence, il attendait un club, il était en tongs à Sarcelles. Oula! En tongs, en train de boire des capricones. En hesse de club, il était. Personne n'a cru en lui, les gars. Personne. Les Parisiens, le PSG, il laisse les Parisiens partir. Et après, ils regrettent. C'est trop tard pour regretter. Il fallait prendre Mahrez. Il était à 10 km de vous. Tu l'aurais payé, oula, tu l'aurais payé un petit kebab sauce samouraï. Oula, il aurait signé au PSG. Et voilà, les amis. Et les Champs-Élysées. Défilé aux Champs-Élysées annulé. Là, c'est les Algériens qui vont les défiler, les gars. Oula, c'est dernières années, les Algériens, ils ont plus défilé aux Champs-Élysées que les Parisiens. Et voilà que c'est grave. Oh, vous avez rien à fêter. Vous faites jamais la fête. Vous faites que des défaites. Voilà. C'est incroyable, ça. Mais faut en parler, les gars. Parce que le fautif, c'est qui? Un des fautifs. Mbappé. Mbappé, voilà. Même t'as pas joué ce match, t'étais plus fort qu'au match aller. Voilà que c'est vrai. Mbappé, c'est Mbappé suspect, les gars. Voilà, il est tranquille. Voilà, il a même pas pleuré à la fin du match. Vous l'avez déjà vu pleurer, Mbappé? Il s'en bat les couilles du PSG. Il sait que son avenir, il est tracé. Il sait qu'il va partir au Real Madrid. Il vous déteste, le PSG. Il vous l'a prouvé ce soir. Voilà, Mbappé, il croyait un match retour. Voilà, comme ça, il est là. Ouais, les gars, on fera mieux. C'est fini. C'est fini, Mbappé. Pas de match retour, ni de retourner, ni de tourniquet. C'est fini. Voilà, rêvons plus grand, rêvons plus. Arrêtez de rêver. Ce soir à Manchester, c'était un cauchemar. Voilà, un cauchemar pour vous. Voilà que le match, il aurait duré 2 semaines. Vous n'aurez pas marqué. Et c'est la vérité. Vous n'aurez pas marqué, même avec Marquinhos. Dites-vous que c'est grave, les gars. Le meilleur attaquant du PSG, c'est Marquinhos. Au bout d'un moment, il faut se remettre en question. Voilà que c'est la vérité. Le Poitou-Charentes Saint-Germain, nul à chier. Verratti, c'est Verratou. T'as tout raté. Il est encore endormi du match aller. Il est encore sous sa couette. Voilà. Verratti.
Vera Petit, t'as été petit. Il doit avoir un tout petit zizi là de nourrisson, lui, j'en suis sûr. La vie de ma mère dégueulasse. Mbappé out. Neymar out. Dehors, voilà. Et Di Maria qui se prend un carton rouge. Il est sorti du stade avec la coupe aux grandes oreilles. Il a pris avec lui, voilà. Espèce d'oreille pointue. Voilà, qui tue. C'est grave, les gars. Vous avez vu le Paris Saint-Germain? Le Paris Saint-Valère-Germain. Et voilà que c'est la vérité. Vous foutez quoi en Ligue des Champions? Le pire, c'est quoi? C'est que l'année dernière et cette année, la Ligue des Champions du Covid, c'était votre seule chance de la gagner. Parce que le PSG, ils ont un avantage sur les autres clubs. Le PSG a l'habitude de jouer sans supporters. Oh là, vous aurez dû la gagner, celle-là. Vous aurez dû la gagner, celle-là, et l'année dernière. Mais vous êtes des incapables. Oh là, vous êtes là, vous préparez des feux d'artifice avant la victoire. Vous préparez les maillots, oui, are champion. Oui, are éliminé. La vie de ma mère, arrêtez avec votre délire, là. Et RMC, RMSUS, c'est plus RMC, c'est AVC. Ils ont fait un AVC, Jérôme Rotten. Si tu fais une radio de Jérôme Rotten, tu trouves les testicules à Neymar dans sa gorge, la vie de ma mère. Sa gorge, c'est les gorges du Verdon. Oh là, c'est vrai. Jérôme Rotten, c'est pas une pomme d'Adam qu'il a. C'est la boule à Neymar, la vie de ma mère, c'est vrai, les gars. Incroyable. Oui, Jérôme Rotten, c'est la vérité. Dans Rotten, il y a haine. Il a la haine. Espèce de rotule, tête de chouette. Et voilà le Paris Saint-Germain. Voilà, l'année dernière, Ligue des Champions facilité pour vous. Voilà, la seule Ligue des Champions sans match retour. Vous avez fait quoi? Éliminé en finale. Et cette année, pareil. Voilà. Au début, on disait quoi? Le Paris Saint-Germain a un calendrier difficile. Vous avez eu le plus facile. Voilà, parce que le Bayern Munich, sans Lewandowski, voilà, c'est le Bayonne de Munich. Voilà, c'est la vérité. C'est la vérité. Et le Barcelone que vous avez gagné, le Bas-Personne, vous avez battu le FC Bas-Personne. Et même contre le Bayern Munich, ça aurait dû nous mettre la puce à l'oreille, les gars. Voilà. Quand ils ont perdu contre Munich, ils ont pris 23 tirs, les gars. 23 tirs. Oh, c'est grave, ça. Normalement, c'est les statistiques d'une saison, ça. Voilà. Pas des matchs de Ligue des Champions. Et les Parisiens qui disaient quoi? Ouais, nous, l'argent, on s'en fout. On va pas jouer la Super League. Oh, là, Nasser, il va passer un coup de fil demain. On veut jouer la Super League. Et c'est grave, ça. Oh, là, c'est grave. Si le PSG n'arrive pas à gagner la Ligue des Champions avec Mbappé et Neymar, avec qui ils vont la gagner, les gars? Il vous faut qui? Sangoku, Tupac, Michael Jackson. Oh, là, Superman. Même avec Superman, vous allez la perdre. Oh, là, c'est vrai. Et moi, je comprends pas l'année dernière. Oh, là. T'as l'entraîneur Tuchel qui amène le PSG en finale. Tu veux faire quoi de plus que la finale? La super finale? L'extra finale? Voilà, le Super Bowl? Tu veux faire quoi de plus que ça? Tu peux pas faire mieux. Pourquoi ils ont viré Tuchel? Expliquez-moi, les gars. Je comprends pas. Comme dit Nasser, je comprends pas. Voilà, on comprend pas, les gars. Oh, je dis au PSG, c'est pas l'entraîneur qu'il faut changer, c'est les mentalités. Regardez Pochettino, la vie de ma mère, Pochettino, les gars. Pochettino gros, il arrivait même pas à fermer sa veste, oula, avec sa veste de mousquetaire, là, sa veste Célio dégueulasse. Oula, Pochettino, croquettino, à part bouffer des croquettes, tu sers à quoi? Nul. Aucun choix, aucun coaching gagnant, t'es le seul entraîneur qui s'est pas entraîné. Oh là, t'es le seul à ce niveau-là. Espèce de père d'odieux, vendeur de semoule. Espèce de petite pocketball humaine. Nul à chier, les gars. Oh là, pourquoi le PSG a viré Tuchel? Pourquoi le PSG a viré Meunier, Thomas Menuzier? Oh là, c'était le meilleur joueur de l'équipe. Mais bien sûr, on garde qui? On garde des frimeurs. Oh là, des Neymar qui joue que pour sa gueule, qui joue pour ses followers. Et c'est la vérité. Oh là, il est passé de 100 bas, oh là, à 100 buts. 100 buts, nul! Nul Neymar, voilà. Et comme d'hab, il fait quoi? Il s'énerve. Vous avez vu ce qu'il a fait un moment? Voilà, il a dribblé un joueur, deux joueurs. J'ai dit, voilà, le Tour de France, il a fait. Même le commentateur de RMC, il a dit, qu'est-ce tu fais? Qu'est-ce tu fais? Voilà, qu'est Nasser, la vie de ma mère. Qu'est Nasser, Neymar? Voilà, le prochain sujet de philosophie au bac, c'est qu'est-ce qu'il fait Neymar sur l'action? Qu'est-ce qu'il a foutu, les gars? Expliquez-moi. Après, pour rentrer biker, dégueulasse,
Bunker, il est là, il est fade. On sait pas, même Mahrez, il a dit, c'est qui ce vieux mec? Oula, le seul jeune qui est vieux, là. On dirait Drago dans Rocky. Oula, Drago, les gars. Donc le Paris Saint-Germain, c'est foutu pour cette année. Mbappé, c'est Mbappé. Oula, il part, les gars. Il part, il s'en branle de votre vie. Oula, où tu le retrouves à Madrid, Mbappé? Où tu le retrouves à Bondy, en train de fumer du shit? Et c'est pareil pour Mbappé. Où tu vois un Parisien qui est de Paris, d'accord, tu le laisses partir à Monaco et tu le rachètes 200 millions. Où tu vois ça? Il n'y a qu'à Paris, tu vois ça. Bon, à Marseille aussi, on a fait ça. Hein. Qu'on a vendu Payet, on l'a racheté plus cher, Thauvin plus cher. C'est pareil, mais ce n'est pas les mêmes sommes, les gars. Vous avez, c'est, et ce n'était pas des Marseillais de base. Vous, c'est des Parisiens que vous laissez partir. Oh là, vous n'avez aucun sens du recrutement. Moi, je me rappelle des Qataris. Les Qataris, c'est des Otaris. Oh là, des Otaris, les gars. Une bande de bactéries. Les Qataris, ils avaient dit quoi qu'elles ont racheté le PSG? Je m'en rappelle, les gars. Ils ont dit que le nouveau Lionel Messi, qui sortira du centre de formation, il sortira de Paris. Il est où? Il est où? C'est Moïskine. C'est Moïskine. Arrêtez, les gars. C'est un menteur, Nasser. T'es un menteur, Nasser. Oula. Là, t'as menti quand t'as dit c'est nous, on va former. Vous formez des gens. Les seuls Parisiens que vous avez formés, vous les avez virés. Oula. Matuidi, Moïskine. Tout le temps, il était là. Il avait marqué vive Paris sur ses fesses. Il avait marqué sur son trou de balle. Il avait marqué vive le PSG. Ils l'ont viré comme une merde. Et les gens qui n'aiment pas le PSG, ils les gardent. Oula, qui vous ont fait une leçon, Guardiola. C'est la Guardia Civile. Oula, ils vous ont mis en garde à vue ce soir, en garde à vue, et c'est la vérité, les gars. Regardez, il n'y a pas de grande star à Manchester City. Il y a qui, frère? De Bruyne, voilà, De Bruyne, Moïskine, tête de Lensois, là, voilà. Ce flamant rose qui devient rose, il devient fort. C'est la vérité. Et même Manchester City, ils se sont permis de mettre Agüero et Sterling sur le banc, au repos, voilà, pour jouer contre Norwich. La vie de ma mère, les gars, voilà. Le Paris Saint-Germain, le Paris s'en souvient. Vous allez vous en souvenir longtemps, c'est la dernière fois que vous arrivez en demi-finale. Oh là, vous aurez dû en profiter, bande de merde que vous êtes. Voilà, oh 1, 2, 3, vive à Manchester City. Le débrief peut durer une semaine. J'ai tellement de choses à dire, les gars, mais je crois que ce soir, on a tout vu sur le terrain et il n'y a rien à ajouter.